Bonjour à tous, c'est Electric Art. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le site de Wamplay. En ce moment, j'essaie de monter, j'essaie de tester quelque chose, j'essaie de monter mes Wambox au maximum. Là, je voulais monter à 100 000 avant de les utiliser, donc rien que pour tester. En ce moment, je suis à 76 000, quand même, c'est bien. Dès que je vais être à 100 000, je vais joindre pour tester qu'est-ce que ça fait. Donc, pourquoi j'ai décidé d'aller sur OnePlay encore et faire une vidéo sur les NFT? Parce que, si vous vous souvenez bien, au début, quand on a testé, on était capable que d'embarquer dans les OnePlay Desktop Game. Okay? C'est les jeux pour les ordinateurs. Okay? Parce que j'avais pas de. J'ai pas de mobile. Okay? J'ai pas de. Donc, ça marchait pas. Sauf que, je viens d'apprendre. Ben, ça fait un petit bout de temps que j'ai appris ça, qu'on pouvait maintenant utiliser les mobile games quand même, avec un ordinateur. Donc, on va aller tester, voir si ça fonctionne, ok? Donc, si je regarde, qu'est-ce que moi je veux, c'est Real Nation. J'ai déjà joué à ce genre de jeu-là et j'adorais ça. Donc, ce qu'on va faire, on va marquer Play. Et là, on va marquer sur Google Play. Et voilà, on vient d'embarquer. Et il faut s'enregistrer. Là, ce que je vais faire, je vais m'enregistrer hors vidéo et on va se revenir tout de suite après. Ok, donc je me suis inscrit et il est arrivé quelque chose de bizarre. C'est que dès que ça a téléchargé, ça m'a demandé un code d'activation, sauf que c'était écrit en allemand, je crois. Même pas en français, même pas en anglais, même pas en anglais, je devrais dire, parce que. D'habitude, faut penser que dans ma tête, j'utilise au moins l'anglais si j'ai pas le français. Donc, j'ai compris quand même un peu par déduction que ce que c'était. Donc, il faut que vous allez ensuite, faut que vous allez sur votre Hotmail, chercher le code d'activation. Ok, vous l'enregistrez, vous le mettez et vous appuyez sur le bouton rouge en bas du carré. Ce qui fait que vous allez pouvoir jouer à ce jeu-là. Donc, ok, il faut choisir. Là, je l'ai mis en anglais. On avait le choix anglais US ou anglais britannique. Moi, j'ai choisi US. De toute façon, je suis en Amérique. Donc, il faut choisir une ville. Ok? Donc, on va choisir une ville. Est-ce qu'on peut choisir une autre ville que celle que. Nous ont donné. Ok, non. Il faut absolument prendre celle-ci. Je sais pas. Parce que là, ça va me donner. Si je prends celle-ci, ça me donne ça. Ok. If you offer 100 go, you select long assume. Ok, c'est ça. Donc, si j'utilise cette ville-là, donc on n'a pas le choix de la ville. Si vous utilisez une autre ville, vous n'aurez pas le bonus. Donc, on va prendre quand même cette ville-là. On va prendre ça. Et voilà. On va voir ce que ça donne. Ok. On va se prendre un mall, hein. Un mall. Ok. Est-ce que je peux faire. Oui, on peut faire un random. Ça, j'aime bien. J'aime pas les cheveux. Peut-être essayer de trouver autre chose pour les cheveux. Moi, j'aime mieux ça. La barbe. Pas une barbe comme ça. De toute façon, j'en ai une. J'ai une moustache, mais pas une barbe. Donc, je vais laisser faire la barbe. Ah oui, c'est bon ça. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on en est? De toute façon, il y a juste une barbe, ça donne quasiment rien. Qu'est-ce que je prends? On va prendre ça comme ça. Ah, j'ai des lunettes, par exemple. Oh, des petites lunettes rondes. Ouais, elles sont pas rondes, mes lunettes, mais ça rien. On va prendre ça. Je crois que c'est quand même bien. On va prendre ça comme ça, à moins que je choisisse ce visage. Ouais, on va faire ça. Je fais OK. Et là, c'est notre personnage.
J'ai pas remarqué s'il faut l'écrire un nom. Ah non, ça doit être avec le pseudonyme de Wompley, je crois, toi. J'ai pas checké, j'ai mal vu. Donc j'ai peut-être créé un personnage, pas de nom. Au revoir. Là, par exemple, couper la musique, j'en reviens. Ok, donc on va faire sûrement le tutoriel. Attendez, y a-t-il un moyen de leur distorter? Donc, il nous montre qu'on a... On va attendre pour ça. Donc, attendez, je vais couper le son. Option audio, on va le mettre au minimum, on va le couper le son à l'arrière comme ça, là, de l'environnement. C'est beau l'environnement, mais là, ça me fatiguait. Okay, j'ai trouvé comment faire. Faut l'appuyer ici et on appuie ici pour accepter et il nous montre un peu comment faire. Donc là, en ce moment, on voit la ville où ce qu'on s'est installé, Longkiln, c'est un drôle de nom à dire. Donc, on va couper ça. Oh, attendez une minute là, le son encore trop fort. Comme ça devrait être pas pire. Donc, 10 000, il nous donne 10 000. Donc, on est rendu à 60 000. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent de quoi faire d'autre? On va cliquer là. Buy your first engine. Accept. On va aller ici. Notre premier moteur, ils disent. Donc, ok. Pour 15 000, ok, on va acheter ceci. Ok, c'est vraiment un moteur pour une locomotive. Donc, on achète le plus pourri, à mon avis, le Swallow. Oh, wow, hein. Les trains, il y en a des intéressants. Et là, en ce moment, on a le vieux train du début à la vapeur, je pense. Donc, on va l'acheter. Donc, il y a Fuss Engine, ok, complete. Donc, ils nous ont donné 10 000 pour ça. Donc, on a sauvé sur 15 000 qu'on a acheté le moteur, on a sauvé 5 000. Setup your first schedule.
Je vais juste aller voir quelque chose. Ok. Donc, je suis allé voir sur OnePlay, mais on n'a pas de bonus. Donc, à mon avis, il faut monter de niveau pour avoir des bonus. Ce que j'aime bien, par exemple, c'est que ce qu'on voudrait, c'est peut-être changer mon nom. Je vais checker ça. Ok, j'ai trouvé comment faire. On va vous le montrer. Ça a été long un peu, par exemple, pour trouver. On clique sur profil et là on tombe sur le profil et on voit ici Edit profil. Et là on a le nom qu'on a, conducteur LF5 7Z, mais là on va changer ça. On marque le nouveau nom. Je vais vraiment marquer mon nom, mon pseudonyme électrique. Alt. Donc je fais change name. Yes. Pourquoi ça n'a pas marché? On va aller voir. Edit. Oh, je pense que j'ai déjà joué à ce jeu-là et ils disent qu'il est déjà utilisé. C'est ça l'affaire. Alors là, je peux plus rien faire. Ok, je vais. Au pire, plus tard, je vais faire quelque chose d'autre. Au pire, je vais mettre un chiffre ou quelque chose comme ça. Sauf que ça va me coûter 75 gold pour ça, par exemple. En tout cas, je vais voir. À moins qu'il va changer plus tard. On va voir. Là, je vais voir plus tard. Donc, ok. On va sortir de là. Donc, on va continuer. Ils disent. Ok, il faut que je set up ma cédule. Ok. Je vais accepter. Donc, on clique là. Là, c'est quoi ça? Ok. Juste pour nous dire qu'il y a un train qui est comme à l'arrêt. C'est pour ça que. Ok, c'est comme ça. Donc, ce que je vais faire, on va cliquer ici. Je vais accepter. Ok. Donc, New Cellule. Et là, on a le choix. OK? On a beaucoup de stock. Qu'est-ce qui est le prix ici? %66 pour du bois. Ça doit être du charbon. Oui. On va aller pour le bois, ok. Ce que la ville doit avoir besoin, c'est ça. Donc, on n'ira pas chercher du charbon, du point de vue que la ville n'en a pas besoin, j'ai l'impression. Bon, là, en ce moment, ils sont à la recherche de bois, ok. Donc, on va s'acheter. Donc, on fait complète. Ok, upgrade your. Ok, monter sa maison. Ok, je vais accepter. On va ici. Et là, engine house. Ok, pour 5000, on peut l'augmenter. Voilà, ça prend un kit. Oh, c'est pas long. Ok. Ok, one free engine. Super. Là, par exemple, c'est ça qui me travaille. Ça doit être. Ah oui, ok. C'est. Peut-être pour débloquer, là. C'est bloqué, pourquoi? Ça doit être parce que j'ai pas débloqué les choses importantes ici. Et c'est ça. Ça me prend un large steam dome. Ça me prend un inlet pipe. Un steam header. Et ça me prend un safety valve. Ok, ça m'en prend 5, 3 et 6 et 4 de tout ça. Pour pouvoir passer au prochain train. Parce que je trouve que c'est bien fait.
le Raven, qui va être beaucoup mieux. Donc, si je reviens à l'arrière, on voit qu'il y a des trains vraiment intéressants à aller chercher. Donc, pourquoi c'est rouge? I don't know. Peut-être parce qu'on est capable de placer des points. On va essayer ça. Safety Vibe. Invest. Ah, c'est ça. Ok. Donc, mais avant d'utiliser les autres, on va... Je vais voir avant, parce que ça peut être dans le tutoriel. Donc, je vais pas trop scraper le tutoriel, ok? Donc, je vais accepter. Donc, là, ils nous disent... Donc, alors, comme vous pouvez voir, je voulais vous montrer, le train est parti chercher du bois. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, il faut qu'il attende 41 secondes. C'est assez rapide. Il va sûrement repartir avec du bois. On voit ce qu'on a un manque. On a un manque de bois. J'ai encore des problèmes depuis que j'ai eu ce rhume là. Donc, est-ce qu'il marque? Non, il ne marquait pas le nombre de secondes, mais là, le train est reparti. Oh, wow! Ok, on a le chargement en plus et ça va sûrement nous donner de l'argent quand on va arriver à la ville. Donc, on va voir ce que ça donne. Ah oui, 55 000. J'ai pas remarqué comment j'avais avant. Est-ce que ça m'a donné de cœur? J'en ai aucune idée. On va continuer avec le tutoriel. Donc, on va continuer. Ok. Ok, on peut s'acheter. C'est S5. Ok, on peut s'acheter autre chose. Acheter un moteur. Ah, mais là, on a comme deux moteurs, quoi. Ah, oui, ok. À chaque fois qu'on s'achète un moteur, en réalité, c'est un train. C'est mal fait, là. Je sais pas si. 10 prestige. Ok, on a eu des points. Cette cédule for your new engine. Ok. Pour le nouveau train. Et là, on va peut-être aller. Ok, on voit les prix en ce moment. Là. C'est plus. Ils payent plus pour le blé. Donc, on va envoyer un train pour le blé. Il y a un rename qu'on pourrait... Oh, on pourrait choisir un nom, ok. C'est Swallow 2. On va le laisser comme ça. New Cedule. Ok. Ok, il faut payer. Ah oui, ok, il faut payer aussi, c'est vrai, pour le trailer. Donc, let's go.
Et il nous donne 20 000. Ça monte quand même assez vite, hein? Côté argent au début. Et on est parti. C'est vraiment plus payant le blé. J'aurais peut-être dû faire le blé tout de suite au début. Là, j'avais pas vu ça, mais ça fait rien. On le sait. Là. Installe la recherche sur Blue to You Engine. Accepte. Complète. Upgrade de la brewery, accepter. Ok, on clique là. Upgrade pour 15 000. On va prendre 7 secondes, 7, 8 secondes, ça, c'était marqué, je sais plus. Euh, 20 points de prestige. Ok, on fait ok. Collecte de restaurant bonus, accepté. On peut s'acheter un ticket. Ok, ah, mais c'est avec du gold là. Ouh, non, 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 non. Là, c'est quoi, il faut que je fasse? Il fallait que je collecte le bonus du restaurant. Et là, on vient de collecter 1000. Et on vient d'avoir 15 000. Le restaurant est à nous, autrement dit. Ça doit être ça. Upgrade the restaurant. That's it. Ok, il faut monter le restaurant. 6000. Hey, on est rendu à 92 000. On était. Là, on est à 86. Je viens de payer 2000. Ok. C'est fait. Oh, free lottery key. Ticket. Donc, on a un ticket gratuit. Ok, ça, c'est les prix qu'on peut gagner avec ça. Ok. Scratch here. Ok. One real car voucher. Ok. Complète. Upgrade the bank. Ok, c'est plus long à vendre. Ok. Ok, la banque est au niveau 2. 20 000, ça nous a donné. Upgrade the engine house de level 3. On fait juste augmenter les choses. Upgrade 12 000. Le montant d'argent monte très rapidement. Ok, un free engine, yes. À mon avis, il va être gratuit, là. Ok. Complète. Accepte. Donc. Qu'est-ce qu'il demande, là? On va rester dans le blé, je pense. À 206 pour le blé. Et là, on a trois, là. On a trois trains. Deux qui s'en vont là, un qui s'en va pour le bois. Accepte. Ouh, t'as un peu. Joint à corporation. Ok.
Et on dirait qu'ils veulent que je prenne celle-ci, mais je dois être capable de prendre un autre. On va prendre elle. On va voir. Construire une nouvelle route. Ok. Construire. Pour aller ici. Et ça, c'est pour les vaches. Et les vaches, justement, on avait besoin. On peut en avoir. Et le prix est à 240 $. Ok, c'est plus payant. Sauf qu'il n'en demande pas vraiment. Ça va être à voir. Oh, ils veulent vraiment que je mette un train là. Cédule assistant. Adopte cédule. Ok, il faut upgrade your track production. Ok. C'est un jeu vraiment de gestion, hein? C'est essayer d'améliorer vos trains, les monter et avoir plusieurs trains. Donc, open the ranking. Accept. Ok. Ah, oh, ok. Il nous montre à quelle position qu'on est. Ok, je suis là. Ah, mon nom a changé. À mon avis, le nom est correct. Donc, 508e en ce moment. Donc, pourtant, pourquoi il n'aurait pas changé là? Peut-être parce que c'est dans 2 jours qu'il va changer là. 110 gold, yes. Il me donne du gold en plus. Open de prestige overview. Accept. Ok, c'est pour améliorer les choses. On peut voir ce qui se passe. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que j'augmente, autrement dit, pour être meilleur? Donc, ok, on va sortir de là. Je fais complète. Redeem your medal. Ok. Ah, ok. Ça va nous donner des choses. On 3 engines. Oui, 3 véhicules. Donc. Et on a d'autres, là. On pourrait. Et voilà. Tiens. Ok. Il faut investir dans un... dans une facility. Donc, une usine, à mon avis. Ok. Ok, il y en a d'autres qui se sont placés là. Ça, c'est d'autres joueurs, ça, là. Moi, je suis 9e en ce moment, là. Accepter. Accepter. On va au train. Ok. Upgrade engine. Accept. Ok. Plus qu'on augmente les trains, plus que ça va être mieux. C'est peut-être pour ça aussi. Ok, on peut acheter des licences. Donc, comme là, c'est pour des planches.
Il y a beaucoup de choses qui fait que là, 2 minutes, on n'attendra pas 2 minutes, on va aller voir d'autres choses en attendant. Research Center. On va peut-être aller faire ça. Ok, j'ai plus de points. Ah, j'ai un 4000 à aller chercher là. Donc, oui. Et une étoile ici. Ok, ça marche comme ça. Ah, je sais pas si j'ai bien fait de le faire. Peut-être que ça va couper le. Ok, le nom a été changé ici. Ok, on le voit là. Mais mon nom n'est pas changé là. Peut-être que dans 2 jours, ça va être correct. Ok. Upgrade engine. Oh! Notre train est allé ici. Et j'ai l'impression qu'elle porte du grain. Est-ce qu'on est capable de voir qu'est-ce qui se transporte? Je crois qu'il transporte du grain. Okay, on voit ici nos 2 trains qui transportent du grain à la ville. Il y a encore beaucoup de demandes pour ça. Mais là, c'est des vaches qui est vraiment payant. Ok, ils disent d'acheter un nouveau moteur. On est rendu à 106 000. Ok, assez dur pour un nouvel. Oh yes. Là, en ce moment, là, il va aller chercher des vaches, puis il va les ramener en ville. Donc, ça va être plus payant. Les vaches sont rendues à 278 $. Si on regarde ici, là. 170 $ pour le charbon. Ok, c'est pas mal ça. Donc, ok, il s'en va là. Donc, lui, il va transporter. Ah non, il transporte. Ok, le train est là. Je vais chercher des vaches. On va attendre avant de faire ça. Je vais voir le train des vaches. Et voilà, il est parti. Parfait. Donc, dès qu'il va arriver, ça va être payant, j'ai l'impression. Donc, il faut augmenter la banque. En 10 minutes. Donc, OK.
on va voir les vaches arriver. Nous sommes à 97 426. J'en ai 4. Non, c'est 4 trains, ça c'est le quatrième. C'est bizarre, j'ai pas l'impression que ça m'a donné de quoi. Ça monte, ça monte. Ok. C'est quoi la prochaine chose? Accepte. Sauf que je l'ai déjà augmenté. On va le canceller, ça va être plus simple. Faut que je recommence. Upgrade your bank. Accepte. Ok. À quoi de chance qu'ils n'ont pas pris de 40 000 au début. J'aurais payé 80 000 pour quelque chose qui coûtait 40. Donc, ça a été. On va attendre. Donc, je suis mieux de laisser ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on peut monter. Install upgrade. Ok. Je pense que ça va être pas mal tout pour la vidéo. On a 37 minutes là. Comme vous pouvez voir un peu, c'est un petit jeu comme ça. On monte tranquillement. On est encore niveau 2. On n'est pas. Je sais pas pourquoi on n'a pas monté de niveau. D'habitude, ça monte beaucoup plus vite que ça. Prestige 131. Je sais pas comment ça prend de prestige pour monter de niveau. Ah si, peut-être qu'ils vont nous dire. Non. Et 40 joueurs en ligne, quand même. Je n'ai plus de points de recherche. Ah, je vois la même chose. Ça, c'est les messages des autres joueurs. Ah, ok, j'ai pas d'autre. Il dit que j'ai pas de place pour mettre un nouveau moteur. Ok. Un nouvel. Ok, j'ai le maximum. À mon avis, il faudrait que je monte de niveau pour avoir un autre train. Je suis au maximum. Ok, ça c'est les. Les vaches. Ok, il y a un joueur qui ramasse. Ça doit être le problème. Ok, il y a des joueurs qui ramassent. La corporation LR Elite. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va essayer d'aller voir si je suis capable. La corporation.
Alors, il est allé. Je demande si c'est possible. Ça fait partie de celle-ci. Parce que ça donne un bonus pour les joueurs qui font partie de. Sauf que. Elle est pleine. En tout cas, on va voir. Ok, donc il reste 5 minutes. Ce que je vais faire, je vais arrêter ça là. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo que je voulais vous montrer. Donc, c'est possible de maintenant jouer à des jeux qui ne font pas partie vraiment pour l'ordi. Mais là, je suis en train de jouer sur mon ordi, imaginez. Donc ça fonctionne très bien. Donc, je vous conseille de l'essayer. Peut-être pas ce jeu-là, mais si vous voulez essayer d'autres jeux quand vous pensiez que vous n'étiez pas capable avec votre ordi, là, on est capable. OK? Okay, on peut vraiment fonder nous-mêmes notre. Ok. Les profits baissent. Ok. Je vais vous dire à plus et. À plus et plus tard, on va peut-être faire une autre vidéo si ça vous intéresse. Sur ce jeu-là. Je vais peut-être jouer un peu tout seul aussi, je vais voir ce qui va arriver, mais comme vous pouvez voir, c'est quand même un jeu intéressant. Sauf que là, quand on fait pas partie de ça, on est. Sauf qu'ils sont. J'arrive mais sûrement à m'embarquer avec eux autres. Sauf que j'ai l'impression. Ils sont nombreux. Donc 22. Ils sont déjà 22. Donc, ils ne me prendront pas. Ok. C'est bon. Je vous dirai plus. J'arrête ça là. À la prochaine vidéo.